Hola? Comment tu vas, YouTube? Donc on continue. On cherche à contacter le maître du chiffrement. On a été voir la fameuse pour la cassette. Je sais plus si j'avais été revoir là-bas. Dans la genre d'église. Si on pouvait tu pouvais faire quelque chose avec le magnétoscope, comme elle a dit que ouais, tu sais pas t'en servir. On va retourner voir hein. La hutte. Ah, là on peut faire. Ah, il n'y a pas de bouton d'alimentation. On dirait que l'appareil. Ah, mais on l'a déjà eu. L'appareil est en marche forcée. Et là on peut toucher à rien. Incroyable. Marais? J'ai fait ça? Qu'est-ce que. J'ai du mal à voir, mais il y a quelque chose dans l'eau. Comment ça? L'eau est trop houleuse. Si sous l'eau. Y a rien d'autre ici. D'accord? Ah oui, la carte de visite de l'autre. Tellement rouillé que je pourrais attraper le tétanos rien qu'en la regardant. C'est quand qu'on fait péter le bordel là? Rien ne se passe. Je crois qu'elle n'a plus de carburant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Même fois un jerrycan. On peut faire avec la scie? Couper la flamme? Ah, couper le nid. On va attaquer le nid d'abeille. Vas-y, avance. Hey, j'ai pas envie de couper ça. Non mais. Avance. Non mais. Bordel. Ah. Du coup, y a pas un truc là-dedans? L'eau est calme. Les poissons y nagent paisiblement. Ça ressemble à une branche d'arbre. Ben, une scie pour couper l'arbre. Non. Tip top. C'est jamais. Une branche, ça peut toujours servir. Et est-ce que. Du coup. Ça, on savait qu'il fallait foutre le feu aux guêpes. Et on n'avait pas d'objet. Non, mais arrête de regarder l'eau. On sait que c'est beau, mais. Est-ce que du coup, maintenant que j'ai le bâton. Impossible, la flamme est trop faible. Faudrait la remplir de carburant. Du coup. Ça fait une grosse flamme. Capitaine Flamme. Oh, il est que 15 h, j'en peux plus. Encore 3 nuits, ça m'en fera 4. Et puis un jour de repos et puis je reprends. JPP. L'essence qui était sur la branche s'est évaporée.
Ça me fait penser à un archéologue qui va chercher l'Atlantis. Est-ce que ça n'a aucun sens? Là, la poupée, faudra la donner aux jeunes. Je pense que c'est une fausse piste. Avec quoi on pourrait mettre de l'essence? Un tissu? Une culotte mouillée. Ah, super. Heureusement, ce n'est que de l'essence. Ah, c'est que de l'essence, c'est pas grave. J'espère que personne n'ira s'imaginer des choses. Du coup, est-ce que ça marche? Et voilà, j'ai une torche. Super. D'accord, Barry White. C'était si con. De toute façon, faut dégager l'autre de l'ordinateur. Comment faire? Est-ce que ça va suffire? Le slip. Putain, mes nouilles, elles ont toujours pas servi. C'est incroyable. C'est bordé. C'est bon. Meurs. Ah oui, c'était ça. Ouais. Bah... Ah non, 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 non. Au secours, hein? Ah. Bah... Compliqué, hein? Ah, il y a l'autre avec son laser. C'est trop escarpé ici. J'ai le vertige qu'en regardant. Impossible que je m'approche davantage. Un fruit. Un fruit exotique. Qui c'est qui met un fruit? Je peux pas l'atteindre. Ma porte est trop raide. Et je vais jamais y arriver. Sans crever. On a un grappin. Comment ça, c'est ridicule? Un hommage à une divinité inconnue. Surmonté par une grosse tête qui sourit. Peut-être que les autres sont des âmes damnées qui la servent. Bah, on est bien avancé. Coupe l'arbre. J'ai pas envie de couper ça. Et jamais de la vie. Ça sert à rien non plus. Putain, mais c'est terrible. On a réussi à passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pas tout de suite. C'est con qu'on peut pas passer des écrans en double-cliquant comme dans les anciens point and click. Tu double-cliques et paf, téléportage à l'autre écran. Ah oui, il faut... Faut jouer en édition limitée pour l'autre là. Couper la chaise. Ni à chaise. Oh. Je suis pas un vandaliste. Ça, à quoi ça sert? Mais ça ressemble au... Ça ressemble au bordel, là. Qui est sur la colline. Rien à la télé. Quelle chaîne souhaitez-vous regarder? Hey,
Je vais regarder un épisode de Lazerman. Je dispose de l'intégralité des 9999 premiers épisodes. Oh putain, c'est pire que One Piece. Indiquez le numéro d'épisode que vous souhaitez regarder, un chiffre après l'autre. C'est pas 1027 là le magazine qui est là? Zéro. Deux. Sept. Lecture, épisode 1027. Ouais, c'est Jay. Oh, 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 oh. Quelle chaîne souhaitez-vous regarder? J'en ai plein de cul. Ah, il était bien l'épisode. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Lazerman 3000. Le laser est plus rapide que l'éclair. Ah non. Pas encore un fan. Eh, fais gaffe à ce que tu dis. Je suis fan depuis le tout début. C'est la deuxième édition? Ouais, mais écoute. Laisse-moi lire ma BD, ok? J'ai presque fini. Laisse-moi tranquille. Je peux t'en prêter ta BD? Putain, mais laisse-moi lire tranquille. Ouais. Toujours pas de bière? Ah, il y a réserve d'urgence. Non, je veux pas voyager. On va aller voir le kid. Billy the Kid. Dommage, je sais pas faire la voix de Token, ça aurait été drôle. Mais toi, reparle-moi de Lazerman. Tu connais la BD de Lazerman? Bien sûr, je suis fan de tout ce qui a à voir avec Lazerman. J'ai suivi tous les épisodes de la série. Chaque numéro a été adapté en épisode à la télévision. La série est géniale. Et donc t'es fan de Lazerman? Carrément. Je collectionne aussi tous les numéros physiques. Mais il me manque un des jouets pour compléter ma collection. Au moment où il a concentré l'énergie, c'est... C'est un bouclier chromé, ouais. Ouais, génial, c'est ouf. Faut que je transforme ma poupée, là, comme... Non, comme l'épisode, là. Attends, me casse pas les culs. Le bus magique pour Katmandou. Et les fardeaux sur la table. Le batteur. Ah, je peux regarder ça. Tip top. 2107. Non, merci, je vais sortir. C'était 2107 et pas 1027. Oh. Oui, je vais regarder un épisode de Lazerman, s'il vous plaît. 2107. 2107. Voilà.
Je suis l'étoile d'un parallèle univers par... Ce doit être la BD que le batteur est en train de lire. Je suis l'étoile d'un univers parallèle. Tiens, je... Comme un bon tutos, je te spoil. Je parie que tu veux savoir comment se termine la Zerman 3000. Épisode 2107. C'est celui où il découvre que son ami juré est en fait lui-même, mais provenant d'un univers parallèle. Sérieux? Ça se finit vraiment comme ça? Suffisamment perdu de temps avec ça alors. Bonheur? Un truc scientifique. Vas-y, prends. Maintenant, il faut transformer la BD. Il ressemble à quoi? Génial! Bon, je sais à quoi ressemble ce foutu bouclier maintenant. Sa combinaison est noire dans cet épisode. Plus qu'à trouver comment obtenir la même. Il y a un pot de peinture. Ah putain, l'autre qui est rempli de spam. On va lui envoyer des pubs. Attends. On peut voyager. Il est où l'autre blaireau là du QG? Putain. Tiens mon frère. Vous souhaitez vous abonner à un de nos services? Pas pour moi, mais pour un ami. Voilà sa carte. Désolé, mais je n'ai pas le droit de répondre aux citoyens de classe C. Ça va pas. Putain, je suis deg. Oui. Putain. Je suis confus. Comment on peut le faire partir ce salaud là? Oh, peut-être avec l'ordinateur là, on lui envoie des spams. Je sais pas en fait. Mais il est toujours là l'hôtel abruti. Pas clair.
J'ai besoin d'un jerrycan pour faire l'essence, le plein de mon bus. Vous pouvez tout de suite oublier ça. J'ai besoin pour finir mon travail. Ah, partez ou je vais jamais y arriver. Putain, comment je peux faire? Tiens petit, tu veux la BD? J'ai besoin d'un petit bouclier pour un jouet. Wow. Vous pouvez me le montrer? Bien sûr, j'ai une BD qui montre à quoi il ressemble. Je vois, c'est possible, mais il me faudrait un modèle 3D pour ça. Oh là là. Pardon? Mais c'est une forme simple pourtant. Les artistes ne travaillent pas n'importe comment. Il me faudrait le modèle 3D du bouclier pour le reproduire. Si j'ai le modèle 3D, mais j'en ai rien à branler, ta sculpture. Fais main à mon cul, ouais. Et je vous ramène le modèle 3D. J'ai, il faudrait une imprimante 3D. Où c'est qu'on trouve ça? C'est une bonne question. Hey. Ah, y a rien. Si je loupais un truc quelque part, le bus. Ma pince, elle est pas assez longue. Faut que j'attrape le fruit, mais ensuite le fruit va me servir à quoi? Pas un truc là-dedans. Tiens, les magazines, t'en veux pas? Les nouilles, la TV, les bières. Ne bouge pas, je garde mes bières au frais, putain. Rien de plus normal dans un bus de tournée. Tout à fait. Il prend. Me dis pas que ça marche. Un appareil d'escalade va la vite. Oh là là. Ah, sus. Coronavirus. Sus. Ziva, putain. J'aimerais tellement qu'en double-cliquant, ça ramène la balle directement. Mais je t'ai dit d'y aller, con. Alors. Une idée, mais je suis dans la mer si le fruit tombe par accident. Va faire tomber dans la boîte.
Mais putain, mais bordel de cul. Non mais ça, je m'en branle. Ah mais c'est vrai, ça sert à rien, je vois rien. Avec quoi je peux récupérer ce fruit à la con? Putain, mais c'était bon là. Je suis deg. À la place d'essayer sur le fruit, si j'essaye sur l'arbre. Oh putain. C'est incroyable. Un truc. Y a pas quelque chose dans le marais au cas où. Les poissons ils nagent. On va choper un poisson, non? Qu'est-ce que t'en penses? Putain. C'est mais c'est ouf. Mais le tête de ce gag là, mais on le vire comment? Peut-être une batterie cachée quelque part, j'en ai pas besoin si. Non. C'est pas clair. C'est pas clair! Je vais attraper le chat? Oh oui, je vais attraper tout ça avec moi. Mais non, mais putain, mais qui... Qui est con? C'est cruel. Écoute, faut qu'on gagne, il faut qu'on sauve le monde. Cette scène n'est pas assez tranchante pour couper la laisse du premier coup. Aïe 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 aïe. Comment on le vire lui? Ah mais attends. Peut-être que Barry c'est quelque chose. C'est Barry. Rien de plus. C'est terrible. Vous prenez les commissions? Peut-être. Vous avez une idée en tête?
Écoutez, j'aurais besoin de votre aide. Ma meilleure amie a un fils qui est super fan d'un personnage de BD, Leatherman. Voilà la BD. On voit qu'il a un bouclier bien particulier. Ce serait possible d'en faire un modèle 3D. Faites voir. Pourquoi pas. Ça devrait être assez simple. Laisse-moi un peu de temps et je m'en occupe. Votre modèle 3D est prêt. Je vois le fichier sur... Oh mais putain, je vois le fichier sur votre casque. Connectez-vous. Mais c'est ce que j'essaye de faire depuis que je suis là, me connecter au réseau. En fait, j'ai toujours pas accès. Oh là là, j'en ai plein le cul. Le truc en ASCII servait à quelque chose. J'ai pas ça pour rien. Juarez. On a ça. Une table de code. Je vais essayer de demander au team du QG ou avec Lorraine 500 là de faire bouger l'autre sac à merde. Garagiste là. Bob le bricoleur. Bob le bricoleur. Ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Ouais. Oh là là. Ramirez. Donc tout le monde se retrouve aliéné dans ce Virtuaverse. Tu savais que la désanonymisation du vieil internet et l'exploitation des informations personnelles pour le data mining ne faisait que marquer le début du monde tragique dans lequel on vit. Au fait, c'était pas de leur faute. D'ailleurs, il n'y a même pas de « eux » en fait. Le vrai problème, c'est ce que nous nous infligeons à nous-mêmes. Et ce qu'on inflige aux autres avec toutes ces données à disposition. Tu es en train de me dire que Xenon n'est pas maléfique? On n'a pas de but caché? Exactement, c'est ce que je me dis. Les gens ont toujours fait une mauvaise utilisation de la technologie. Je suis d'accord, ce truc devient hors de contrôle. Il faut qu'on l'arrête.
Ça, il a déjà dit, tu sais même. Le salam. C'est bébé. Putain, y a un truc à faire avec la carte. Oh là là. Vas-y, il embrouille. Je vais voir ce qui s'est passé à mon statut. Ah oui, il va me le dire. Bienvenue dans le nouveau système. L'algorithme a simplement décidé que vous n'étiez plus qualifié. Pour les services de classe B. Les raisons peuvent être multiples. Juste une pensée. Quelque chose que vous avez acheté ou même une personne que vous avez rencontrée. Putain, c'est ouf! C'est pas aussi quelque chose qui est arrivé alors que vous aviez activé vos lunettes. Je suis désolé, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Merci d'utiliser nos services. Il n'y a pas de service spécial dont je pourrais profiter, ni vu inconnu. On a tout ce qu'il vous faut. Ouais, vous cherchez un truc coca. Ouais. Peut-être quelque chose pour briser l'ennui du quotidien. Vous voulez améliorer vos talents d'écriture? Une aide automatisée pour nettoyer votre cuisine? Vous avez besoin d'un synthétiseur alimentaire, d'overboard, une batterie d'uranium? Mais arrête, dis-moi oui ou non. On a bien plus encore, il faut demander. Le chien, t'attendras ton tour, connard. J'ai peut-être besoin d'un truc comme ça. Ah! J'ai des services pour un ami, j'ai sa carte de visite.
D'accord, faites-moi voir. Parfait, abonnons, monsieur Bagati. Je dois vous prévenir, il est sur un réseau différent. Ça pose problème? Pas du tout, nous sommes présents sur tous les réseaux. Oh putain! Bonjour Richard, ceci est une communication pour but de vous informer. Richard. Vous venez de recevoir un nom de publicité continue. Oh putain! Directement dans votre puce, et ce gratuitement. Oh, il va devenir ouf. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de le rejoindre. Le programme d'optimisation de la publicité. Et de quoi vous parlez? Jamais accepter ça, moi. Profitez dès aujourd'hui d'une réduction sur la dernière collection de Morata. Nouvelle mode électronique est disponible au prix le plus bas. Après presque 30 ans de surmédiatisation sans aucune vente. C'est quoi cette merde? Arrêtez ça. Ouh, Newton. Vois ma vie, le service exclusif de diffusion. Jessica Coca. Vous permet d'assister au premier rang à la vie de quelqu'un. Carrière parfaite vous ennuie? Mettez-vous dans les chaussures d'un raté, ce qu'il y a de plus ordinaire. Votre vie est nulle? Mettez-vous dans la peau d'un de nos influenceurs. Putain, mais quelle merde! Je vais parler à un opérateur tout de suite. Ah bonjour, je suis l'opérateur 12-34-41. Comment puis-je vous aider? Je vais me désinscrire de tout ce spam. Jamais rien demandé. Je m'appelle Richard Bagati. Je suis sur votre dossier. J'ai le regret de vous annoncer qu'il nous est impossible d'annuler ce service. Oh putain! Hein? Ça va pas la tête. Faut que je travaille, moi. Je suis profondément désolé, mais votre abonnement. Et d'une durée d'un an minimum. Sauf si vous payez les frais d'annulation. Je veux pas payer de frais. Écoutez-moi. C'est une arnaque. Cher Richard, j'adorerais vous aider, mais je ne peux pas. Veuillez nous rappeler ultérieurement. Je vais pas vous rappeler, j'ai besoin de travailler maintenant. Nous comprenons votre frustration, mais le système ne me laissera pas modifier votre abonnement. Ah, vous vous moquez de moi. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Merci de votre compréhension, de votre attention. Profitez bien de votre abonnement. J'en ai vraiment marre de tout ça. J'appelle mon avocat. Ah! Merci, mon brave. Skin de mécano. Je vous parlais d'une anecdote sur les pubs. Un jour, il y a un mec, un anonyme, qui m'a inscrit sur un site Olé Olé. Et un jour, j'ai reçu un mail. Oui, vous êtes un client fidèle.
vous envoie une bouteille de vin. En plus, il y avait mon adresse et tout. Un truc de fou. Ah. Oh, j'ai bataillé pour que... Oh, vas-y, Starfula. Oui, j'ai bataillé pour que... Ah, moi, je prends tout, hein. Il va pas me faire chier. Ah, le bâtard! Vas-y, moi, je t'enferme, sa capuce. Voilà. Oh putain. Ah. Oh miaou. Oh mais le yinche il est attaché. Ah non, il va niquer les déchets. Oh le yinche. Mais ça y est, on a foutu le bordel, c'est cool. Connard! Ah! Allez, passe. Une pince. Non. Sale bête. Comment je peux le... Je peux pas mettre les nouilles dans sa gamelle à ce fond là. Ah, comment je peux virer le niache? Il se laisse pas faire ce trou de balle là. Peut-être après en prenant le laser, je sais pas. Ah, attends. Maintenant qu'on a le shuriken. Vas-y. C'est gratuit. J'ai la chance, il me reste de la monnaie. Ah, oh, putain, mais il utilise de la monnaie. Mise à monnaie. Ah, voilà. Il suffisait de se faire pote avec l'autre, là. Lui parlant de son budge. Le... Ah, il me faudrait un robinet d'eau pour la peinture. Ce serait con ça. Ah oh non, ça marche. Oh putain, c'est ouf. Figurine est toute noire. On va tout faire péter. Ah, c'est tout juste pour ça? J'ai un jour d'antenne. Pourquoi faire?
pièce est intéressante. Oui. Bon, le chaudier. Chaudière, il se passe rien. Offrande, il va pas prendre. Vous avez un tout petit peu avancé. Mais que faire? Là, c'est une autre question. Posant électrique. Je peux pas griller l'autre tête de con là. Comme ça, il bouge de sa place. Comme ça, j'ai accès à l'ordinateur. Oh, composant électrique, je mets un coup de taser au yinche. Ce serait cruel. Le chat, il est serein, il bouge pas. Attends, regardez, j'ai quelque chose. Ah, mais non, mais il veut pas. Alors, il y a peut-être une idée qui va me venir. Il n'y a pas besoin de ça, tu m'étonnes. Je vois pas à quoi ça pourrait me servir. Tu veux pas, petit? Sus? Aussi sus. Bon ben voilà. Bon ben YouTube, on verra la prochaine fois. Merci. J'espère qu'il y a des idées qui vont passer par la tête. Au revoir.